D'Ivoire TV Musique, bonjour et bienvenue dans Fafa, la seule émission dans laquelle nous cassons toutes les papos sans état d'âme. Nous avons un invité comme tous les samedis, voilà. Il se fait appeler Manager Confirmé. Vous savez qui c'est ? On ne va pas trop parler. Nous recevons Manager Confirmé. Alors, nous recevons aujourd'hui Manager Confirmé, l'ex-manager de DJ Congélateur. Manager, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous à Ivoire TV Musique. Maxi. Voilà, défalé. Ben, Manadia, oui. Bonjour. Bonjour. Vraiment, on t'attendait depuis un bon moment. Ouais. Bon. Mais tu n'étais pas venu. Il nous a échappé. Tu nous as échappé. Oui, c'est toi. Mais bon, je pense que là, tu es bien. Je ne sais pas où. C'est un programme. J'étais un peu occupé, sinon. J'étais occupé. Tu étais un peu occupé. Non, on pensait que tu avais peur la dernière fois. Peur de quoi? La dernière fois, congélateur était ici. Là, quand tu es venu, tu l'as vu, tu es parti. Tu as mis des dents. Vous m'avez pas dit que non, j'étais venu faire commission avec le congélateur. Non, il est venu faire son émission. Non, il est venu faire son émission comme toi. C'était deux émissions distinctes et bien différentes. Non, toi, tu l'as vu ton cas à faire pou, tu as mis dedans. Moi, quelqu'un qui a fait pou, il a mis. Ah, mais pourquoi tu n'as pas dit congélateur? Non, mais il m'a pas dit ça. Non, moi, je ne vais pas venir m'associer ou bien faire méchant avec mon petit frère. De toute façon, on va revenir à ce sujet. On va commencer d'abord par le début. Voilà. Déjà, manager confirmé à l'état civil, qui es-tu? Manager confirmé à l'état civil, c'est Kwadjo Kofi Parfait. Originaire. Je suis un petit baoulé, originaire baoulé. D'accord, ok. De quel village? Je viens de Saminoukoro, comme le Brobo, je suis allé. D'accord. Ok, et tu as grandi là-bas? Tu as grandi là-bas? Bon, on peut dire que j'ai grandi à Boaké. C'est à Boaké que j'ai grandi. Tu as grandi à Boaké. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une des zones rurales artistiques de Boaké jusqu'à Abidjan? Parce que vous êtes beaucoup qui quittaient pour venir vers Abidjan, à quoi? Ah bah ouais. Non, mais parce que c'est Abidjan, c'est la base. Donc c'est ici on vient. D'accord. Et comment tu rencontres DJ Congélateur? Rencontre DJ Congélateur. Oui. Comment tu as commencé à travailler avec lui? Qui te l'a présenté? Ou bien c'est toi-même qui est allé vers lui? Comment ça s'est passé? Non, votre collaboration. C'est lui qui est venu vers moi et puis je l'ai pris. D'accord. Ok. Dans son village? Dans son village. Ok. Donc c'est comme ça que lui, il est venu vers toi? Il est venu vers moi. Il t'a dit qu'il voulait travailler avec toi? Oui. Il voulait travailler avec moi. Ça, je l'ai pris. Et toi, tu es artiste, non, à la base? Oui, à ce moment, j'étais artiste. Okay. Et toi, étant artiste, toi, tu laisses ton travail d'artiste pour aller manager un autre artiste? Oui. Pourquoi? Ça ne se fait pas. Je ne sais pas. Ça se fait pas. Je te demande. Moi, non. Moi, je ne peux pas laisser mon travail d'animateur pour aller manager un autre animateur, c'est pourquoi? Non, mais il y a les animateurs qui sont managers. Ça les regarde. Non. Nous, on a vu, manager, oui. Nous, on a vu manager devenir artiste dans Coupé des Cali. Mais pas artiste, artiste devenir manager dans Coupé des Cali, non, la mort qu'on dit. Ah, bon, ça vient de commencer. C'est qu'il y a quelque chose que tu as aimé chez le petit, oui. Certainement. Non, c'est pas que j'ai quelque chose que j'ai aimé. J'ai senti. Le talent? C'est pas fait le talent. Tu as vu son étoile, quoi, que ça pourrait briller. C'est pas fait son étoile même. J'ai senti la monnaie des terres. Ça m'a touché, c'est pour ça que je l'ai pris. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui sont dans Côte d'Ivoire, on peut les ramasser et puis on prend. Mais moi, j'ai senti que le petit, il avait besoin de quelqu'un pour le soutenir. C'est pour ça que je l'ai pris. Tu as eu pitié de lui? J'ai eu pitié de lui. Donc, si je comprends bien, tu travailles avec lui par pitié? Non, je ne peux pas travailler avec lui. Comment on peut travailler avec quelqu'un par pitié? Mais quand tu dis que... Mais attends, allons doucement, on va se comprendre. Quand tu dis que tu n'as pas vu son talent, tu n'as pas vu son étoile, donc, tu travailles lui par pitié, parce que tu dis que tu as eu pitié de lui. Donc, c'est pas il te faisait pitié que tu l'as recueilli. Je travaille pas lui par pitié. Mais donc, je l'ai pris. Non, quand je l'ai pris, il me faisait pitié. Ok. Quand je l'ai pris, il me faisait pitié. Mm-hmm. Quelqu'un qui vient vers toi, un enfant qui vient vers toi, ah, tonton, pardon, fais ça. Et puis, je l'ai vu quand j'étais parti, il s'est promené là. Donc, ça me fait, tu lui dis, bon, pas de pour pourquoi pas, je le prends. Donc, tu as sacrifié ta carrière. J'ai sacrifié ma carrière pour prendre. Mais quand l'argent a commencé à rentrer, quand tu as commencé à travailler avec lui, et puis vous avez commencé à avoir des prestations, l'argent rentrait là, il ne te faisait plus pitié. Au moins là, l'argent, c'est quel argent qui rentrait? Ah, c'est pas bon jeton qui rentrait. Quel jeton? C'est quel jeton qui rentrait? Il n'y avait rien qui rentrait. Il n'y avait rien qui rentrait.
Donc, de tout... De Buzz de Baoulé, là, c'est pas maintenant, ça a attends, fini. Attends, hein. C'est pas maintenant, ça donc, a fini. De toute ta collaboration hein, avec DJ Congélateur, de toutes les prestations que nous voyions sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Quand, je dis, il y avait, quand vous dites qu'il n'y avait, avait pas d'argent, il y avait combien? Nos cachets étaient combien? Mais on ne peut pas savoir. Le cachet de DJ Congélateur, avant que je l'ai pris... Souvent les gens nous appellent, mais souvent c'est moi-même, je me force pour qu'on puisse aller prester. Souvent c'est 30 000, 50 000. 30 000, 50 000 francs. On va enlever combien pour payer maison, pour payer l'eau. Et puis c'est quelqu'un, il est toujours malade. On appelle ça comment? Il doit acheter les comprimés pour mettre à côté de moi. Il est maladif? Le maladif. Il était maladif à l'époque, ouais, quand il disait OK. Donc on gagne combien? On gagne rien. Donc ça, on ne peut pas garder là, dans la banque ou bien genre quelque chose. C'était juste pour suivre. Juste le jour, le jour. Le jour, le jour. Il peut tomber, il peut. Souvent même là, il tombe, il doit aller à l'hôpital, tu as gardé l'argent comment? Avec 30 000, 50 000 francs, tu as gardé combien? Le congélateur nous a jamais dit qu'il était tombé dans ta main, hein? Mais pourquoi il va dire ça? Ah, mais pourquoi il dit pas? Mais s'il y a les gens qui sont si dit, si il est capable de dire que tu as couché avec lui, ça, il peut nous dire c'est combien? Bon, allons dans le vif du sujet. Parce que tu sais, ici là, nous on a reçu congélateur ici dans le même fauteuil où tu étais assis, deux fois. Chola lui a demandé clairement, en français et en baoulé. Et puis en baoulé. Et quand elle lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe entre toi et manager confirmé? Est-ce qu'il y a eu des rapports sexuels entre vous deux? Il a poussé un gros soupir d'abord. Et puis il a dit, il a fait moi. Je reprends ces mots. C'est pas moi, j'ai dit, il a dit, il a fait moi. Alors, Chola, quand il a dit, il a fait moi, tu l'as demandé en baoulé. Explique ça en français. Bon, déjà pour récapituler, il est venu nous dire ici que, bon, enfin, il y a une affaire de PJ entre vous deux. Qui a déposé plainte? C'est toi qui l'as convoqué ou c'est lui qui t'a convoqué? Moi, je ne veux pas convoquer, congélateur. C'est donc c'est eux qui t'ont convoqué. Ils m'ont convoqué. D'accord. Donc, suite à la plainte à la PJ, quand il est venu, je lui ai demandé bah, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Vous avez dit quoi? D'après ce que nous, on a entendu dire, on dit que, congélateur, tu allais dire à la PJ que manager confirmé abuse de toi sexuellement. Genre, il a des rapports sexuels avec toi. C'est vrai ou c'est faux? Il a d'abord répondu en français. Je lui ai dit, bon, je veux en baouler. Est-ce que manager a confirmé on y a congélateur à Moussangon? Est-ce que Amé là? On sait que... voilà ce que le congélateur a dit ici. Maintenant, quand vous réfléchissez, vous allez imaginer congélateur dit lui, on peut sortir. Justement, nous, on n'est pas là pour réfléchir et imaginer à vos places. Ce que vous dites, c'est quand vous demandez. Vous-même, je vous accuse d'abord. Pourquoi? Parce que... Premièrement, je suis venu avec congélateur ici là. Je voulais passer, vous venez m'asseoir, vous dire que vous ne voulez pas. Le malinquin qui était assis à côté de lui là. Vous n'avez pas vu que le congélateur regardait avant de parler? Attends, je vais répondre. On va reprendre. Bon. Le juge est venu avec lui ici là. Non, c'est moi qui. Attends, je lui dis, le juge est venu avec lui ici là. Ça a chauffé. Le jour là, hein, nous on a dit qu'on ne voulait pas que tu sois à côté de lui. Pourquoi? Parce que de toutes les émissions télé qu'on voit à chaque fois, tu étais toujours à côté. Maintenant, pourquoi l'autre là, il était assis à côté de lui? Non, lui, il est venu ce jour-là. Pourquoi? Pour se présenter en tant que son nouveau manager. Non. Après, c'est pas comme si on faisait de la discrimination. Donc, moi, je ne vais pas me présenter en tant que son manager. Non, lui, il y avait un problème. C'est que l'ancien est parti, il y a un nouveau qui est là. C'est lui qui était assis à côté de lui là. C'est lui, quand il parlait, il a regardé. Toi, tu as posé que moi, il a regardé, j'ai suivi l'émission. Question première fois là, il a dit bon, il fait ça et puis il a regardé, et puis lui il fait moi, il fait tout le monde. Ça, et puis vous imaginez, vous non, on a notre travail, c'est pas d'imaginer, c'est pas d'imaginer. Normalement, vous devez pas faire le poisson sur un plateau, mais pourquoi pas? Pourquoi vous venez de parler? Vous dites, vous dites, c'est un plateau qu'on doit poser. Vous dites, c'est pas là, vous dites, c'est un plateau, un artiste. Comme DJ Congélateur, ça sort un plateau qu'on baisse mon cuir. Et puis vous êtes content, vous êtes assis là, vous regardez. Non, vous n'êtes pas content. Non, vous n'êtes pas content. Là, vous dites. Quand tu ne dois pas poser question à un artiste quand on baisse ton cuir. Quand vous le mangez, toi, tu es un enfant. Est-ce que vous avez un enfant? Ça ne se passe pas. Non, attends, des fois, je ne passe pas. Vous avez un enfant, vous n'êtes pas un enfant. Des fois, attends, ne te presse pas. Champion, tu viens d'arriver, hein. Ça se passe dans ce milieu. Non. Mais ça se passe, moi, ça ne peut pas se passer. Des fois, attends. Non, attends. Je dis. Déjà, nous, ici à Ivoire TV, on est un principe. On ne laisse personne d'autre rentrer dans notre tanière si ce n'est l'invité lui-même. D'accord? Quand tu es venu la première fois, tu voulais t'asseoir ici, on t'a dit non. Nous, on ne prend que l'artiste. D'accord? Quand Congélateur est venu avec son nouveau manager, il voulait venir, on a dit non. On ne prend que Congélateur. C'est Congélateur même qui dit. Il veut forcément que son manager soit à côté de lui. Non, je ne crois pas. Quand j'étais venu avec quelque chose que nous-mêmes, ça s'est passé dans notre émission. Toi, tu as venu dire non, je t'explique. Manager, je n'ai pas aimé. Quand je suis venu avec lui, on est libre de croire. Non. Attends,
Maintenant, il est venu le nouveau manager. C'est pour ça que je me suis retourné. Vous savez, vous savez. Mais si tu t'es retourné, ça te regarde, c'est peut-être tu as vu le petit ton cœur coupé. Quand il va couper ce qui. Le petit est resté. Attends. On lui a dit manager, il dit que ce n'est pas son problème. Il va faire son émission. Je vous explique. Le même jour qu'on est venu ici, là. Vous savez, nous papa voulait donc vous voulez nous reconsidérer là-bas. Il a dit qu'il était malade. Ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Ça, c'est pas petit, à notre je niveau. Veux pas venir me manager, même si c'est ton nouveau-né, nous, ça ne nous intéresse en rien. On te dit simplement, voilà ce que le congélateur est venu nous dire. On n'est pas allé chercher le congélateur pour dire, faut dire. Il s'est assis gaillardement dans notre fauteuil jaune. Pour... Dans lequel tu attends, mais je pourquoi n'ai pas fini. Pourquoi ce tombeur, pourquoi n'a pas dit ça, mais ça, ça, c'est pas mon problème. Bon, pourquoi tu as fui alors? Maintenant. Maintenant. Si tu n'as rien à te reprocher, tu fais la confrontation. Je peux rien me reprocher, mais donc tu es parti pour quoi? Donc, fallait t'asseoir. Mais je peux pas m'asseoir. Dire, pendant qu'il était en train de dire que tu abusais de lui sexuellement. Ça veut dire que fallait venir t'asseoir. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter d'en venir s'asseoir. Quelque chose, on va le réconcilier. Moi, il travaille là-dedans. Et puis, je viens. C'est déjà moi qui ai fait mes missions. Je viens encore, il est devant tout. Ça veut dire que c'est mensonge. Qu'est-ce que c'est mensonge? C'est mensonge? Non, mais attends, qu'est-ce que c'est mensonge? Parce qu'on veut nous réconcilier là-bas. Et puis, il vient tout le monde. Il n'est pas venu faire réconciliation. On dit qu'on veut faire son émission. Manage a fait son émission. C'est toi qui as vu le petit tout. C'est vous qui vous accusez. Bon, tu peux nous accuser comme vous accusez. Parce que c'est vous qui avez accepté le congélateur. Vous venez de faire ça. Nous, on s'en bat. Pour dire que. On s'en fiche. Pour dire que non, manage a confirmé le petit tout. On fait notre travail. Nous, on n'a pas mis les mots dans la bouche de DJ congélateur. Il essaie de parler d'esprit. Il dit que tu abusais de lui sexuellement. Donc, c'est comme il a dit là. Mais attends, que je crois ou je ne crois pas là-haut. Ça te regarde ou quoi? Faut répondre à mes questions. Je crois ou je ne crois pas. Moi, mon affaire marche. On ne peut pas accuser. Mon affaire de vos histoires de fesses là. On ne peut pas abuser l'enfant de quelqu'un. Chola. L'enfant de quelqu'un. L'enfant de quelqu'un qui a pris quelqu'un depuis très longtemps. On ne peut pas venir accuser pour dire il couche chez toi. Il couche à ta vie, il fait ça. Il fait ça. Et puis vous êtes là, vous le regardez. On n'a qu'à le frapper. Non, tu n'as pas dit que tu le mouches. Mais pas dit que tu le mouches. Moi, je ne peux pas le frapper. Je prends le congélateur. Tu le mouches, tu le mouches. On écoute et puis on quitte là. Moi, je ne suis pas pédé. Ah, ça, c'est vous qui voyez. Je ne suis pas pédé. C'est bien sûr. Il dit que ça dépend ce que vous êtes autour de lui. Il dit que tu le mouches. Les parents dans la bouche et puis il dit ça. Moi, je prends le congélateur. C'est toi qui as dit à congélateur de venir dire ça. Non. Quelqu'un qui vit avec lui depuis longtemps, ça fait au moins 4 ans, 3 ans là. C'est pas maintenant. Non, on va me dire non, on vous tue de quelqu'un. Chola, attends, je ne suis pas pédé. Moi, je suis dans une famille royale. Okay. Je ne peux jamais faire ça. Si moi, je crois à mon Dieu matin, midi, soir. Je suis à l'église. Je connais. Je connais le malheur. Manager. Je ne sais pas si c'est le malheur ou quoi. Manager. Le monde des gens, homosexualité là. C'est comment le Dieu bénit l'homme ça. Tu vois, si moi, il fait de moi Kodori là. Dieu là, il me bénit. Tout ce qui se passe là, c'est Dieu qui me bénit ça. C'est Dieu qui me donne ça. Le diable est aussi béni. Non, moi, je ne suis pas dans le diable. Moi, je suis un chrétien 100% et j'ai la foi et je crois à mon Dieu. Bon, d'accord. Mais Dieu l'avait béni. On mentait sur un enfant, de quelqu'un. Pourquoi c'est chez nous tu es fâché? Non, mais c'est vous qui me faites fâcher. Parce que c'est vous qui vous avez posé la question. C'est nous, on a dit. C'est vous qui avez posé la question. C'est vous qui a créé tout ça. Parce qu'il n'y a pas un télé qui va s'asseoir devant qu'on vous dise que non, dénigrer un autre. Celui-même qui. Avant, quand il a été dit avant, vous voyez ça. Quand tu dis quelqu'un qui t'a pris, hein, que tu as pris, tu as fait de lui comme ça, et les gens, il y a plus des gens comme ça, et puis les gens mourent après. Moi, c'est lui. Écoute-moi. Non, je ne suis pas pédé. Non, mais moi, j'ai dit quoi? Je répète, que ce que tu dis là, ça ne justifie rien. Rien. Voilà, moi, c'est ce que je te fais comprendre d'abord. Moi, je ne suis pas pédé. Maintenant, je ne peux jamais sauver. Vous parlez, mais vous attendez. On s'entend. Sortir congélateur. On s'entend très bien. C'est nous qui avons dit. Oh, mais quand tu me vois là. Moi, est-ce que c'est nous qui avons dit? Moi, c'est nous qui avons dit. Parce que tu m'as jamais vu à cause de ça. C'est le gars qui a parlé aussi. Eric, parce que tu m'as jamais vu à cause de ça, tu dis ça. Je t'ai jamais vu à l'aise. Tu me vois. Oui. Non, tu m'as jamais vu propre. Okay. Tu m'as vois bien vu là. Tu m'as donné le soir quand j'ai dit non, c'est faux. Donc, où tu es là, il y a son autre version qu'on a pas encore vu. Ah, ok. Ah, sinon, c'est ça. Tu m'as jamais vu. Bon, c'est bon. Chola. Tu m'as vu. Je vais même là. Tu m'as vu le soir quand j'ai là. Non, pas venu. Quand même, il y a Chola. Je n'ai pas vu de voir ça. Mais Chola, peut-être quand même. Bon, alors, DJ, mais manager confirmé, dis-nous, tu es marié? Non, je ne suis pas marié, mais il y a un enfant. Tu as un enfant? Oui. Ok. Quelle femme est congélateur? Tu as une femme avec qui tu vis tout et non, tout. Actuellement, il n'est pas. Actuellement, tu es célibataire. Moi, je suis célibataire. Ok, d'accord. Alors, on va recadrer le débat, tu vois. Nous, ici, c'est une émission dans laquelle l'invité vient s'exprimer. Nous lui posons des questions et il répond à nos questions. Tout simplement. L'invité que nous avons reçu ici, qui est
ton ancien artiste de qui tu étais le manager. Ou son ex-go. Quand vous avez eu vos problèmes, il dit que voilà pourquoi il t'a quitté. On lui a demandé quelle est la raison pour laquelle tu as quitté le manager Confirmé. Oui. C'est cette raison-là dont il parle. Il dit que c'est parce que tu abuses de lui. C'est voilà. Ce que lui, il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, il paraît que vous êtes retrouvé à la PJ. Mm-hmm. N'est-ce pas? C'est ce qu'il allait dire là-bas encore. Il t'a convoqué à la PJ. Mm-hmm. Toi, tu es parti à la convocation. Mm-hmm. Oui, j'étais là-bas. Voilà. Alors. Quand il t'a porté ses accusations, mm-hmm. si tu es sorti de la PJ, mm-hmm. qu'est-ce qui s'est passé réellement là-bas? Réel où? À la PJ. À la police judiciaire. Ils ont on vous a entendu tous les deux. Moi, je ne suis pas dans les choses. Ok, d'accord. Mm. Non, ça, non, nous, on n'a pas dit. C'est pas nous qui t'accusons. Hein. Nous, on ne te connaît pas. Voilà, c'est vous deux qui vous connaissez. Vous êtes quittés à Boaké ensemble. Vous voilà, nous, on était là-bas. Quand vous habitez ensemble à Boaké, là, nous, on n'était pas nous, là-bas. Nous, on fait qu'une émission. Nous, on fait une émission. Excusez-moi. Oui, on n'est pas là-bas. C'est des débats, là. On n'a qu'à stopper. Et puis, on avance. Non, on ne peut pas stopper parce que le principe de Fafa, c'est une émission à polémique. On ne va pas venir parler du Seigneur Jésus. Attends. Mais je n'ai plus répondre déjà des questions. Oui, mais le gars, on a l'impression que ça dérange. Je n'ai plus répondre. Non, ça me fatigue et ça me fait très mal. Maintenant, pourquoi tu ne vas pas voir Congélateur pour lui dire arrête de raconter ce que tu racontes sur moi. Au lieu de t'acharner sur deux animateurs qui ne posent que des questions. Est-ce que je le vois? Tu n'as plus son numéro. Ah, ok. Je peux pas avoir son numéro. Pourquoi il y a son numéro? Ok, d'accord. Nous, on a le numéro de Congélateur. Si okay. tu veux, on organise une émission. Vérité, tous les deux. Moi, tu vas lui dire ce que tu veux directement. Congélateur, dans une émission parlée. Je ne peux, ça ne peut jamais te faire. Et puis, je ne peux donc, jamais faire. Donc, tu as peur des révélations qu'il va faire alors. Révélations, quelles sont les révélations? Il va dire aux gens que tu couches avec lui. Bon, s'il veut, il n'a qu'à dire à partout que je couche avec lui. Mais c'est ce qu'il dit depuis. Bon, ok, pas de problème. Donc, on considère qu'il couche ensemble. Donc, je pense que. Dieu qui a mot, il regarde tout le monde. Je pense que. Okay. Alors, manager confirmé. Mais si tu ne crois pas Dieu qui a mot, il sait si Dieu sait si il a couché vraiment avec un congélateur, on attend le. On est là, on voit le congélateur ment. C'est-à-dire que. Attendez, j'ai du mal à croire quand même. C'est-à-dire que le petit se lève, il vient dire des choses. Et puis on me dit qu'il ment. Franchement, bon, ça me laisse dubitative quand même. Parce que bon, il n'y a pas de fumée sans feu. Bon, qui a mis dans la tête de congélateur de venir s'asseoir pour dire que manager a confirmé couche avec lui? Et apparemment, il n'y a pas que congélateur. Il paraît qu'il y a un autre de tes danseurs qui a confirmé qu'effectivement, tu avais des rapports avec lui. Je ne réponds pas. C'est toi qui vois. Je ne réponds pas à ce genre de questions, je ne réponds plus. Hein, donc parce que ça commence à donc m'énerver. Nous, on comprend que derrière tout ce que le congélateur a dit, alors, il y a une part de vérité. Manager. Nous, comme Chula t'a dit, nous, on est une émission télé. On vient, on pose des questions. Moi, on pose des questions, il y a des questions pour non, mais si on pose toutes les questions. Non, si, les questions c'est pas c'est pas dit pas allons. Mais on a demandé à il a répondu calme. Il n'a pas parlé. Mais comment ça l'a énervé? Et c'est lui qui a dit quelque chose. C'est lui la victime, visiblement. C'est la victime, visiblement. C'est lui, on a piri. Alors, bon, on ne peut jamais piri. On peut jamais. Même si je suis. On peut dire quoi? Si même je suis tellement bête. Et sur ma tête même, mais là, je suis fou là. Pour aller coucher à congélateur. Quand vous parlez là, toi-même, tu es assis là, quand tu parles là, toi, ton petit. Toi-même là, toi, ton enfant, petit là. Non, je t'en fous. Ne pas confondre les choses alors. Non, toi, ton enfant, est-ce que. Si congélateur dit que ton enfant couche avec eux, est-ce que toi, tu passes un peu. Attends, il m'assoit. On va te barrer le bas. Nous, tu barres le bas. Allez, bas. Si toi, on t'en bat, toi, ton enfant. Si toi, viens me dire que quelqu'un a couché avec nous là, je veux savoir, je cherchais à savoir la vérité. Je vais mener mes investigations. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'a jamais dit que tu es que le sultan couche avec lui. Il n'a jamais dit que son nouveau manager couche avec lui. Il a dit manager confirmé couche avec moi. Ce que ton congélateur nous a dit là, c'est ce qu'on a entendu commenter et répété. Tu m'as dit la dernière fois ici dans les locaux d'Ivoire TV Musique que tu as vu l'émission, ça t'a fait mal, ça t'a énervé. On t'a donné un droit de réponse. Voilà ton droit de réponse. Tu voulais un droit de réponse, tu voulais que tu dises quoi? Congélateur dit que a dit un point, c'est vrai ou c'est faux? Bon, moi, il dit m'a dit un point. C'est tout. Voilà. Voilà, donc toi, tu as dit m'a dit un point. Congélateur, manager a confirmé moi, yo. M'a dit un point, et puis je n'ai pas payé. Moi, dit un point. Oh, tu as payé. Manager a confirmé moi, je suis un plat. Donc, quand tu as un droit de réponse, le fauteuil jaune est là. Bon, ok. Quand tu vois notre. Alors, bon, manager confirmé, dis-nous. Souvent, quand tu fais tes acapellas sur la toile, il y a des gars qui disent que tu ne sais pas chanter, tu vois. Mais ça, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Toi-même, quand tu t'entends, tu sais chanter. Bon, dans la vie, là, on apprend pour devenir quelque chose. Toi-même, tu as le matériel, c'est avant la visite. Tu fais ça, tout ça là. Je suis né le talent. Tu connais, on ne peut pas né le talent. Je n'ai pas fait d'études d'animation. Si on est talent. C'est ce que tu ne sais pas. Bon, moi, j'ai jamais été à l'école d'animation. Moi, j'apprends. Comme j'ai le talent et que c'est inné, c'est pour ça que je suis là. Moi, j'apprends. Non, moi, je t'ai demandé une chose. Quand toi-même, tu t'entends, tu sais chanter. Je sais chanter. D'accord. Okay. Mais si, quand il s'entend, c'est bon. Alors, Marie-Claire, tu connais Kadi Jolie? Kadi Jolie. Oui, tu sais Kadi Jolie là.
Une blogueuse là. Qui je la connais pas. Il y a beaucoup de polémiques. Donc tu connais pas de Kadi Jolie. Je connais pas Kadi Jolie. Une blogueuse sur la toile qui parle un peu. Moi, je suis ceux qui me connaissent, c'est mon père unique. Et puis, qui, hein, quand même, là, le vieux. J'ai oublié son nom et puis son nom va revenir. Après, c'est les deux sur moi que je connais. Sinon, Kadi Bloka, il se voit qu'on l'a eu la connaît. Blogueuse. D'accord. Mais il y a une vidéo où un monsieur est en train de dire sur les réseaux sociaux qu'il vous a recueilli, congélateur et toi, à vos débuts. Je ne sais pas si tu le connais, j'ai oublié son nom, le monsieur. Il a fait une vidéo avec la femme qui est tout le temps verte, qui est souvent avec toi. Papa voilà. Jacob. Voilà, oui, où il disait que congélateur t'a accusé de violence sexuelle sur lui et que lui, il n'allait pas le laisser couler. L'affaire allait aller où elle devait aller. Mais finalement, Manage a confirmé. On t'accuse, hein, parce que ce n'est pas une petite accusation, hein, parce que les féministes se sont levées même pour décrier ce comportement. On t'accuse d'un fait assez grave, c'est-à-dire de coucher avec un autre homme. On n'est pas en Europe. Ici, en Côte d'Ivoire, c'est assez mal vu. Tu ne dis rien, tu laisses couler, le petit parle, il dit ce qu'il a à dire, et tu laisses Tu restes silencieux. Je n'ai pas ce... Moi, je on pas dit ce... qu'il se tait consent. Hein? Moi, je n'ai pas ce temps et je laisse la justice faire son travail. Tu as porté plainte contre lui pour diffamation. Je ne peux pas te dire ça. Moi, c'est mais il faut que tu nous dises. Mais bien sûr, logiquement, tu aurais dû porter plainte contre pour ça, diffamation. Tu l'as fait ou non? Moi, je laisse la justice faire son travail. Puis mais je, comment je oui, mais est-ce que tu as déposé une plainte pour diffamation? La justice ne va pas faire son travail. Parce que si tu n'as pas déposé de plainte, la justice ne peut pas faire son travail. Voilà. Oui, la justice est en train de faire son travail. Quand donc, tu as déposé une plainte. Ce que si la justice fait son travail, champion, ma chérie. Non, je ne suis pas ta chérie, je m'appelle ça. Alors, mais j'aime pas les hommes qui aiment les hommes. Enfin. J'ai dit, mais et la fille, là, comment on appelle la Kadi Jolie, revenant à elle. Il paraît que à un moment, elle voulait faire des sorties même pour casser des papous sur toi. Et quand elle est revenue en Côte d'Ivoire, on dit non, que tu l'as fait, que genre. Tu l'as convoqué. Que tu l'as convoqué. Convoqué Kadi Jolie. Moi, je ne la connais pas. Je ne sais pas si. Tu n'as jamais entendu parler d'elle. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. Donc, elle ment. Et c'est pas. Toi-même, tu ne reconnais rien. Tout le monde ment sur toi. C'est le gentil manager a confirmé. Oui, Dieu m'a béni. Je n'ai jamais fait. Bon, en définitive, tu fais quoi? Il fait rien. Je suis un homme de Dieu. Oh, moi-même, le Seigneur m'adore. Je suis une femme de Dieu, mais je fais aussi un peu. Bon, moi, je reconnais pour moi. Je reconnais un peu pour toi. Alors, manager a confirmé. Oui. Je sais que tu as un feat en prélude avec Mola. Oui. C'est ton producteur? C'est déjà fini. C'est déjà fini. Et la chanson, cette fois-ci, parlera de quoi? Parce que là, tu n'as plus parlé de. Qu'ils ont fermé, Dieu a ouvert. Bon, là, maintenant, c'est autre chose. La chanson parlait de moi-même. De son vécu. De ton père, de ta confirmation. Ceux qui sont ingratitude, là. Ah, là, il parle de congélateur. Hein? Comment pourquoi pas de congélateur? Mais il était ingrat, non? Donc, tu penses que moi, il a passé tout mon temps pour parler de congélateur? Non, le petit, là, t'obsède. Je sens ça. On t'a dit, moi, je suis là pour congélateur. Tu es obsédé par lui. On t'a dit, moi, je suis là pour congélateur. Tu es obsédé par lui. Je ne peux rien faire encore sans congélateur. Mais il y a des gens qui disent qu'ils chantent mieux que toi. Mais ça, c'est leur problème. Après, tu ne trouves pas que des fois, ça casse un peu les tympans? Mais ça me fait très plaisir, même. Franchement, ah, tu es content de nous casser les tympans? Non, ça me fait plaisir de vous dire, non, manager, c'est pas chanter. Quand c'est comme ça, je travaille. Manager, tu as une grâce. Oui. Tu sais ça au moins? Oui. Tu as une grâce derrière toi. Oui. Mais après, ta grâce ne veut pas dire que tu dois forcément chanter. Ta grâce peut se trouver ailleurs. Tu as sorti congélateur de quelque part où il n'était pas connu. Peut-être que ton truc, c'est le management. Est-ce que tu ne te dis pas que tu dois peut-être te performer là-bas, faire des études de management, tu serais peut-être un grand manager au lieu d'être un artiste. Parce que la chanson, ça ne va pas forcément. Tout le monde, j'ai essayé un peu, je sais ce que c'est. J'ai vu un peu dedans. Non, bien même, je sais chanter, mais bon, c'est pas pour tout le monde que ça marche. Toi, tu sais pourquoi tu as fui. Mais il y a ça aussi. Donc, tu as proposé des droits de cuissage aussi là-bas. Effectivement, et j'ai fui. Donc, peut-être que le management, c'est ta chose. Toi, tu veux chanter forcément. Je veux chanter forcément. Tu veux forcément chanter. Ah, mais il est en train de chanter. Oui, mais. Tu as fait le son. C'est ça, il t'a demandé tout à l'heure. Là. Quand toi, tu écoutes tes chansons, là, c'est chic. Aïe. Toi, tu peux montrer ta main gauche dans ton village. Il a fini à montrer main gauche. Moi, je ne peux jamais montrer ma main gauche dans mon village. Ok. Mais des fois, il faut reconnaître. Tu sais, tu n'as pas besoin d'attendre que les gens te disent que tu ne sais pas chanter. Toi-même, là, il faut t'écouter. Mais tu sais qui dit qu'il ne sait pas chanter, là. Ça, c'est le problème. Aïe. Mais donc, comment tu as dit? Ils disent qu'il ne sait pas chanter, non? Moi, j'entends apprendre. On apprend. Quand tu en fait, non. C'est que vous ne comprenez pas là. Quand il dit à quelqu'un, non, lui, il est bon, il est fort, il ne va pas travailler. Il faut dire qu'il ne sait pas chanter, il ne sait rien faire. Il va se battre pour devenir fort. Ah, d'accord. Tous ces points, tous ces points. Bon, Manager. On a Manager. Mais il ne sait pas chanter. Les deux hommes qui couchent ensemble, ça s'apprend. Manager, entre bébé sans hausse des mains et puis toi, qui est plus fort?
Oh, mais des fois, tu vas pas arrêter. Mais 211 buts. Demain, entre et lui, qui est plus fort. Mais comment? Ça, je sais pas, hein, je sais pas. Chacun fait de sa manière. Pas bébé, ça, on se dit. Non, mais faut lui demander au congélateur et lui qui est fort. Moi, je pense que c'est la question. Non, entre le plus congélateur, là. Il va dire que lui, il est fort. Non, il ne peut pas dire ça. Pourquoi? Ah, congé aussi, c'est l'homme. Vous êtes dans ma galère, chez moi, je suis comme. Ah, mon cher. Alors, ton fuite avec Mola, tu as dit ça parlait de ta confirmation à toi. De ma confirmation. De ta confirmation. Donc, pour toi, au jour d'aujourd'hui, tu es confirmé. Je suis confirmé. Tu es confirmé en tant qu'artiste. Hein. En tant qu'artiste. D'accord. Mais tu ne trouves pas que ça fait un peu prétentieux? Parce que le milieu du showbiz, là, on ne sait pas comment les roues tournent. Hein. Comment ça? Ah, c'est le showbiz, hein, champion. On sait tous ici, on voit souvent ça monte et puis ça peut descendre. Non, moi, là, moi, c'est Dieu qui m'a fait monter. Mmh. Donc, c'est Dieu, c'est le même Dieu qui peut me faire descendre. Sans aucune personne peut me faire descendre. Mmh. Jamais de la vie, même. Quand tu as commencé, en fait, quand tu as eu ton problème avec congélateur, beaucoup de personnes se sont levées pour te soutenir. Certaines personnes t'ont donné des terrains, d'autres t'ont loué des voitures et tout ça. Où est-ce que tu en es? Les terrains, c'est à quel niveau? Est-ce que tu as la CD qui porte ton nom et tout ça? Tout d'accord. Là. Ok, tu as eu combien de terrains en définitive? Bon, on peut dire 5. 5 terrains, où ça? Bien. J'ai remis un à ma maman des congélateurs. Elle a pris. Elle a pris. Et le congélateur lui-même, tu lui donnes rien? Non, il n'en a pas besoin. Il lui a proposé, mais il n'en a pas besoin. Ah, tu lui as proposé? Proposé qui? Non, il fallait moi, presque. On t'a peut-être donné un faux son, il est là. Hein? C'est moi, j'ai vu une vidéo sur Internet où tu disais que ah, c'est ton frère, tu peux lui donner même un terrain et tout. Mm-hmm. Mais après, tu dis. C'est le moment de congélateur que je l'ai donné. Ah, donc pour finir, c'est à moi que tu as donné. Mais sinon, lui-même, lui a demandé. Moi, j'ai vu une vidéo, il lui a demandé, mais est-ce que si maintenant il a ton intérêt, tu as pris? Il dit non, qu'il n'en a pas besoin. Mais ça, c'est ton problème. Ah, donc, c'est bien. D'accord. Donc, et les voitures? Parce que tu avais demandé une voiture à un moment donné. On ne m'a pas donné la voiture. Mais non, tu ne trouves pas que tu abusais un peu? Les gens t'ont aidé, on t'a donné des terrains, tu viens, tu fais un direct. Oui, vraiment, là, maintenant, j'ai besoin d'une voiture. Non, mais au bout d'un moment. Attends, manager a confirmé, je n'ai pas terminé. Au bout d'un moment, tu ne trouves pas que tu exagérais? Ça ne te laisse pas un peu de la mendicité. Toi, c'est toi, t'as promis. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Que bon, on te donne la voiture. Et puis, on ne voit pas. La vidéo que j'ai vue, tu n'as pas indexé une personne. Tu as demandé une voiture. On peut être sur les réseaux sociaux. Je te parle de ce que j'ai vu. Non. C'est toi, tu n'as pas Facebook. Je dis. Tu n'as pas vu que de poster. De poster une voiture qu'on rentre dans le malade à confirmer. Si tu ne m'as pas donné. Qui j'ai attends. C'est une personne qui t'a promis. C'est une seule personne qui t'a promis ou pas? Dans ma vidéo que j'ai fait, j'ai dit. Mon premier voiture, ils ne m'ont pas donné la voiture. Oh là, c'est une personne, non? Une seule personne. Ou bien c'est la Côte d'Ivoire qui t'a promis? C'est pas la Côte d'Ivoire qui m'a promis. Alors, mais moi, je te parle d'une vidéo. Voilà, bon. C'est une personne qui m'a promis, ils ne m'ont pas donné. Non, j'ai dit, bon. Manager, écoute-moi bien. Ils ne m'ont pas donné la voiture. Donc, je suis obligé de parler de ça. Faut pas t'amuser. Je dis. Une personne t'a promis une voiture, on est d'accord, la personne ne te l'a pas donnée. Mais j'ai vu une vidéo où toi tu demandais aux gens de t'offrir une voiture pour tes prestations, n'est-ce pas? Je n'ai pas demandé que les gens me donnent une voiture pour faire mes prestations. Mais on a vu la vidéo? Les gens m'ont posé question que, ah, il y a un monsieur qui m'a appelé, bon, manager, tu as... Mais faut que je t'éteigne parce que si quelqu'un dit me donner une voiture... Et puis il voit la voiture, si le manager a confirmé, le manager a la voiture. Faut que je détaille que on m'a pas donné voiture, je n'ai rien reçu comme oui, voiture. D'accord, ok. Faut que je détaille. Mais les gens t'ont donné terrain, ils t'ont fait proposer, je ne sais pas, des voyages et tout ça. Tu viens maintenant, tu donnes la carte de une voiture. Bon, attends, manager, c'est moi, pourquoi? Moi, je n'ai pas lancé un message que dis non, donne-moi une voiture. Où tu as dit, manager, on va ressortir les archives ici, hein. Tu es en train de dire, oui, je sais que les gens vont le faire. Les gens vont le faire. Mais tu demandais? Tu m'as promis, tu ne m'as pas donné. Donc, il a dit, bon, quand tu m'as promis, tu ne m'as pas donné, c'est que il y a les gens vont qui vont venir faire. Donc, c'est ce que je te demande là. Est-ce que, à ton avis, c'est pas, pour toi, c'est, ça ne devenait pas de la mendicité? Mendicité comment? Mais bien sûr, on te donne quelque chose, on te donne une femme. Tu dis, attends, on a qu'à la déshabiller pour te donner une voiture. Ah, bon, si on veut dire ça là, c'est celui-même qui a créé Facebook là. Allez, la peut-être même. Non, 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 il faut pas confondre les choses. Non, mais je confonds, c'est pas confondre. Ne mélange pas ce que tu fais. Aïe. Donc, l'argent, ça peut suffire. Tu peux pas dire aux gens parce que quelqu'un m'a promis une voiture. Il ne m'a pas donné la voiture, donc vous, je compte sur vous, donner voiture à votre artiste, non, manager. Au bout d'un moment, on t'aime bien, mais la mendicité, non. Ok, c'est toi qui vois que c'est la mendicité. Mais c'est de la mendicité. Okay, congélateur n'a jamais demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Ah bon? La preuve, même, on lui a dit que tu avais beaucoup de terrain, on lui a demandé, est-ce que si manager te donne un terrain, tu prends? Il a dit non. Ah, ok. Il ne veut plus coucher. Congélateur n'a plus envie d'avoir des rapports sexuels avec toi. Ah bah voilà, il fallait on peut continuer.
Alors, manager. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu prépares la sortie avec Mola. Vous avez un clip en vue, oui, une belle chanson. Le clip dans une semaine. Là, le titre de la chanson, c'est quoi? Confirmé. Ok. Confirmé, congélateur. Ah bon. Ok. Donc, normalement, dans la semaine, le clip sort. Donc, on s'attend à quoi dans cette chanson? C'est une chanson encore rythme coupé, décalé, des bases. Rythme décalé. Et puis, vraiment, la chanson est très costaud. Et puis, ça va bouger. Ça va bouger. Ok. Alors, récemment, on a vu encore, tu as fait un post sur les réseaux sociaux où tu dis que l'un de tes rêves, c'est de faire un featuring avec Fally Ipupa. Oui, oui. Donc, tu as tagué même, tu as des menaces qu'on le tague même sur le poste et tout, oui. Pour que Fally puisse voir ce poste-là. Parce que toi, tu dois faire un featuring avec Fally Ipupa. Fally Ipupa. Oui. Il a réagi. J'ai dit ça. J'ai dit ça. Est-ce que Fally a réagi? Mais il va réaliser. Donc, si je comprends, toi, tu lances la maison. Et puis pour voir si ça passe. Ça va venir. Fally va accepter. J'ai la foi et je crois qu'il va accepter. S'il accepte, on sera content pour toi. Oui, mais sinon, il va accepter. Parce qu'il y a beaucoup qui ne croient pas. Ils ne croient pas que nous. Il y a des gens qui voient les postes. Non, toi, tu chantes quoi, il fallait pas faire chanter toi. Tu fais quoi, il fallait pas faire quoi avec toi. Dans la vie, on ne sait jamais. Hein. Ma vision n'est pas pure. Hein. Non, j'ai pas dit le contraire. Même si ma vision est longue. Même je pense toujours. Ok, donc toi, tu annonces d'abord. J'annonce. Avant de chercher maintenant à rentrer dans c'est ça. Non, mais j'annonce. J'ai mis sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont partagé. Il y a ces trucs, mais moi j'essaie de m'appeler, mais tu. Qui ça? Non, ça veut dire que ça va. Ces collaborateurs t'ont appelé déjà? Bon, j'avais un monsieur qui m'appelait, mais ce que je suis. Ça aide. Au fait, ça aide dans le. Il va accepter. Et je confirme à les Ivoiriens. Pourquoi Ramba Junior? Mais il faut commencer les artistes locaux. Tu as commencé avec Kérosène, là tu es avec Mola. Faut voir les Didibé, les Dobodo. Et puis après, ça vient du pays. Mais ça vient. Parce qu'un coup comme ça, Fally. Oui? C'est pas petit chanteur. Non, oui, mais est-ce que moi je suis un petit homme? Et moi je suis pas un petit homme, moi je suis un enfant de Dieu. Là tu es confiant. Et c'est Dieu qui est en haut là, il est petit l'homme. Dieu qui est en haut, c'est Dieu est petit. Donc, je suis un enfant de Dieu. Faut laisser Dieu. Non, mais oui, mais j'attends Dieu. Mais nous tous, moi j'adore mon Dieu. Tu fais comme si tu. Faut laisser affaire de Dieu. Attends, dépose Dieu là-bas. Non, il dépose pas Dieu. C'est Dieu qui m'a béni. Et je suis fier de dire le nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Mais oui, Dieu bénit tous, mais toi tu connais pas moi, j'ai quelle relation avec Dieu? On a tous une relation avec Dieu. Non. Mais moi, je ne peux pas comprendre comment tu dis que tu as une relation avec Dieu et puis on t'accuse d'homosexualité. C'est quand même bizarre. Mais ça, c'est le problème. Mais dans la vie, quand tu es un homme public, là, il y a beaucoup de choses qui vont te dire sur toi. Mm-hmm. Moi, tu ne crois pas. Venant de ton artiste. Oui, il y a beaucoup de choses qui vont te dire sur toi. Oui. Ok. Alors, manager, Nourissé, là, c'est ta go ou c'est ta go? C'est ma camarade. C'est ma conseiller spéciale. Conseiller spécial. Oui. Que vous êtes conseiller spécialement seulement. Oui, seulement. Mais pourquoi tu ris quoi? Parce que ma conseillère, c'est mes adrilles, elle dit quoi? Non, mais t'es là, t'es un peu content, façon, je sais pas. Mais je suis content, mais pourquoi je vais serrer ma mine ou bien je vais être un truc? C'est moi. En général, quand il y a un mouvement comme ça, là, quand tu es une go, là, quand on te m'appelle la go, t'es un peu une petite joie qui éclate, façon. Oui, mais c'est ma camarade, ce que dit ma camarade, c'est ma conseillère. Ça enlève à faire des réactions que je l'attends à mis sur lui. Elle me donne conseil, et puis, tu vois, non? Mais tu donnes conseil comment? J'espère que c'est pas pour qu'on pouvait m'adouber là, en haut ou en bas. C'est quel genre de conseil? Non, mais souvent là, elle m'appelle. Bon, on dit défais ça, tu connais le petit truc. Elle me dit, bon, maintenant, fais ça. Et puis je suis dans ta. Ça, tu suis ses conseils comme conseil. Je dois. Défalez-moi, je veux. C'est ma petite soeur, et puis je m'en. Elle est tout pour moi. Je veux qu'on revienne. Elle est tout pour toi. C'est ta petite soeur qui est tout pour toi. Oui! Ça peut être tout pour moi. Elle me donne le conseil. Quand l'histoire des petits. C'est comme ça que j'ai la tête. Elle m'appelait pour lui aussi. J'étais avec elle. Ouais, au premier jour, on la voyait tout le temps avec toi. Toi, tu vois, non. Mais pourquoi maintenant elle est de moins en moins présente, toi? Non, mais parce qu'elle elle aussi, elle doit faire sa situation. Elle vend des parfums, elle vend des trucs, des bons trucs. Elle a son activité. Elle a son activité. Donc, je ne peux pas. Toujours, on ne peut pas être tous ensemble, tu vois. Et puis, j'ai une femme, tu vois. Donc, je la laisse. Tu l'as fromponnée aussi. Mais souvent, on se voit. Mais éventuellement, je mais elle était une femme, elle peut être à tes côtés. Pourquoi tu dis même c'est une femme? Non, mais elle m'a donné. C'est pour me donner un peu de la force. Ça donné beaucoup de force. Mais Défalé, moi je veux savoir parce que Manadi a dit un truc qui me plaît pas, on va pas se mentir. Il dit qu'il nous en veut parce que nous on a reçu congélateur a dit tout et n'importe quoi et puis nous on est resté là à ne rien dire. Donc moi je veux comprendre la position de Manadi à confirmer. Tu peux pas en vouloir à des animateurs qui font leur travail. Voilà, nous on n'a pas mis les mots dans la bouche de congélateur. C'est pas un enfant, congélateur c'est pas un mineur. Voilà, donc tu nous en veux pourquoi? Exactement, on est là. Faut nous dire ce que tu as dans ton cœur. Non, je ne parle plus d'affaires d'homosexualité, mais ce que tu as contre nous, là, on est là pour nous dire. Je ne parle plus sur cette affaire-là. C'est fini.
Donc, dans ce cas, il ne faut plus nous en vouloir. Alors, non, dans ce cas, il ne faut plus nous en vouloir. Okay. Bah, il ne nous en veut plus, c'est bon. Il n'a pas intérêt à nous en vouloir. Mais si tu le sais, mais c'est toi qui as posé question. Mais pourquoi il ne pose pas la question? Je vais poser question. Je suis payé pour poser des questions. Donc, il n'y a qu'une dingue. Bon, toi, tu penses que Manel a confirmé congélateur a toutes ses facultés? Non. C'est ce que tu as dit. Donc, pour toi, congélateur n'a pas toutes ses facultés. Il était fou. Il n'était pas fou, mais c'est quelqu'un qui. Quand tu demandes des choses, il est mythomane. Celui qui connaît congélateur, c'est celui qui est assis devant toi. Il n'y a pas quelqu'un qui dit qu'il connaît congélateur que moi. Tu sais ce qu'on le connaît? Tu sais ce qu'on le connaît quand? C'est quand tu connais congélateur. Ah, tu sais ce qu'on demande, c'est quand tu connais congélateur. En tout cas, c'est quand toi tu connais congélateur. Il va venir répondre, faut pas t'inquiéter. Il va venir répondre. C'est quand tu sais qu'on connaît congélateur. Il connaît congélateur quand? Il sait où congélateur est. Il sait où il était. Il connaît son village. Il connaît ses parents. Pas qu'on va faire. Alors, autre question. Je t'écoute. Alors, donc, on voit que maintenant tu as changé de style depuis que tu étais manager avant. Maintenant, mais je suis un artiste. Pourquoi je m'aime bien? Je suis un artiste. Bon, toi et puis, quand vous êtes là, vos chaînes vous portent là. Vous allez. Ils ont même les mêmes chaînes vous portent. C'est moi, j'ai payé ça pour lui. D'accord. Il fallait commencer par là. Donc, c'est ton style là que tu voulais mettre là sur lui forcer, quoi. Oui, parce qu'on ne comprend pas. Vous avez les mêmes chaussures. Il dit que congélateur n'est pas bien normal. Hein? Vous avez les mêmes chaussures, vous souvent portez les mêmes jeans. C'est le style, comme tu as dit, c'est le style. Hein, voilà. Voilà. Alors, mais donc, manager, aujourd'hui, là, quand toi tu regardes, quelle est la perspective d'avenir que tu vois pour toi dans ce showbiz? C'est-à-dire, tu dis tu veux faire des feats avec Fally pour pas. Comment tu te vois dans l'avenir dans ce showbiz? Je ne pas au-dessus de la musique de la Côte d'Ivoire. Ah, tu te vois déjà sur le plan international? Je me vois déjà même. Ok, d'accord. Et tu penses que déjà là, tes œuvres sont déjà internationales? Ça va faire. Ok, on mais va t'agir invité dans les pays d'à côté, à côté. Mais je dois faire tourner à Paris de 2 mois. Ah, ok, d'accord. Mais normalement, c'était prévu pour le concert des VDA, c'est oui, ça, non? Oui. Donc, les choses sont en cours? Oui, le mois prochain, à Paris. C'est bon, alors. Ok, c'est bon à savoir. C'était juste pour savoir ça. Alors, donc, on dira tes perspectives d'avenir le mois prochain à Paris. À Paris. Tu crois, après, tu peux aussi... Après, à Paris, je serai en Londres. D'accord. Après, en Londres, je serai en Amérique avec mon père, Aziz 47. Mm-hmm. Et je le salue ici, papa. Aziz 47, c'est ton père? C'est mon père. Bon, toi, tu es chrétien, mais tu es féticheur. Père Aziz 47, lui, il est féticheur. Non, mais tu peux être chrétien, puis tu peux être féticheur, puis tu marches avec féticheur. D'accord. Toi, tu penses que Dieu qu'elle est là, il a détruit. Il ne partage pas sa gloire. Je ne sais pas c'est quel Dieu toi tu connais, mais celui que nous on connaît, lui, il partage pas sa gloire. Quand on dit que non, Aziz 47 est féticheur. Mais tu dis c'est ton père. Mais c'est mon père. C'est que tu es son fils. Lui-même, il s'est revendiqué comme étant féticheur. Lui-même, il dit que c'est féticheur. Oui, c'est ça. Aziz 47. Pas tu dis, vous dites que c'est lui-même qui dit le féticheur. Oui, et c'est que le féticheur. Alors, Aziz 47, c'est quelqu'un. Il va nous en vouloir pour ça aussi. C'est quelqu'un qui est. On peut dire. Il m'a apporté beaucoup de choses. Quand il dit il m'a apporté beaucoup de choses là. Oui, comment? Vous voyez aujourd'hui, mon âge a confirmé, donc c'est à cause d'Aziz 47. Comment ça s'est fait? Explique-nous bien. Il m'a donné une grosse villa. Où ça? Il m'a donné une grosse villa. À Yopougon, c'est toi que je dors. Ah, c'est là-bas que tu dors. C'est là-bas que tu dors. Et puis, il t'a rien demandé en retour. À part la grosse villa. Rien demandé. Rien d'autre. La voiture que vous m'avez vue là, c'est lui qui m'avait fait. Actuellement, il doit acheter une voiture pour moi. Pour rien comme pour ça, il n'y a pas de contrepartie, il n'y a rien. Rien, il a... De toute façon, en fait, le vieux Aziz 47, il n'aime pas... L'injustice? Il n'aime pas de justice. Mais comment lui peut savoir que tu es victime d'une injustice? Est-ce qu'il a eu la version du congélateur? Je sais, mais ça dépend de ce que toi tu as vu le début. Il a vu le début de commencement de ce petit jusqu'à aujourd'hui. Même si tu ne vois pas clair. Bon, c'est un artiste comme toi aujourd'hui. Hein. Vous êtes deux artistes, donc vous êtes sur les tatamis. Donc, ce n'est plus un petit. C'est ton collègue. Voilà, maintenant, c'est plus ton collègue. Ça, c'est son problème. Bon, donc, on revenant à l'histoire d'Aziz 47. Parce que nous, on avait reçu déjà Makoso ici. Par rapport à Aziz 47, on sait tout ce qui s'est passé. Aziz 47, c'est pas qui. C'est lui-même qui dit que lui, le féticheur. Oui, le féticheur. Voilà, c'est pas, il n'a jamais. Il dit, oui, il c'est ça, c'est voilà. Bon, tu dis que tu es chrétien. Lui, il dit, il a choisi son camp. Lui, c'est l'adore, c'est fétiche. Lui, c'est un féticheur. Il n'est pas d'affaire des chrétiens. Oui. Nanana. Oui. Maintenant, toi, un gars qui a choisi son camp, il n'y a pas 10 camps, il y a 2 camps. Ouais. Toi, tu dis que le gars, c'est ton papa. Ouais. Bon, c'est son enfant comment? Non, ce que je dis, c'est mon papa là. C'est quelqu'un qui. Franchement, depuis que je suis avec papa à 10-47 là, si c'est quelqu'un qui doit dire non, mon petit, il te donné les trucs, il m'a jamais fait ça. Ah, il t'a jamais donné les petits crédits, les trucs comme ça. Il met seulement. Même tout à l'heure, si j'appelle papa, ah papa, j'ai besoin de toi. Il t'a dit qu'il y en a acheté une voiture pour moi. Okay. Parce qu'il voit la voiture que j'étais dedans, c'est lui qui a mis le chauffeur à ta disposition. Il m'a mis garde de corps. Il a mis tout.
Donc pour rien comme ça, pour rien, parce que c'est tout ça là pour toi comme mais ça. Mais on peut aimer quelqu'un comme ça. Non. Dans la vie, on peut aimer, tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer la gamme. Parce que moi, je suis là, je suis tranquille dans ma gamme. Et je bon, donc, c'est pas donc, si attends, ça, c'est que tu cherches moi et peur, sinon il va dire quelque chose d'elle. Chola, Chola, donc tu appelles quelqu'un féticheur. Non, je dis que je ne veux pas manquer les gens. Écoute, Chola, moi je pose une question. Il dit, il y a beaucoup de gens sur la terre ici là. C'est toi, il a vu. Il va venir te donner une maison comme ça, dans, tu as dormi dedans, tu attends, tu dis non que. Et le gars, il est. Bon, pourquoi? Dis-moi. Il aime mon affaire, il a aimé mon affaire. Il sait que. Vous savez, c'est qui ça, tu as touché Papa Aziz 47. Tu vois? Et puis, il fait tout ça pour moi. Vous voyez la maison où on dormait depuis, ils ont mis sur les réseaux sociaux. Ouais, bien sûr, ouais. Il a vu, ça l'a fait mal. Ça l'a touché. Il me dit pourquoi? Lui, il a beaucoup de maisons d'Abidjan. Et puis, on est en train de dénigrer un enfant comme ça. C'est ça qui l'a touché. Mais dis, mon fils, moi, je te donne une villa. De 3 pièces pour toi, tu as dormi. Tu m'as donné la villa. Mais pourquoi il t'a aidé, toi, et pas congélateur? Je ne comprends pas pourquoi. Donc, toi. Mais c'est le petit, c'est lui qui a provoqué tout ça. Comment? Non, y a quelque chose c'est lui qui a provoqué tout ça. Il y a quelque chose qui me fait bizarre. Mais comment? Pourquoi il trouve que. Lui, lui de son jugement, il trouve que. C'est toi qui as raison. Mais il sait que j'ai raison. Non. Parce qu'il a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il a vu le début de le petit jusqu'à aujourd'hui. Il a fait comment il a fait la manière dont moi puis on souffert. Il a fait la manière moi puis le petit on souffert jusqu'à aujourd'hui. Où c'est où on a commencé à voir quand les gens viennent s'asseoir sur le plateau disant c'est moi qui ai fait ça pour lui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Il y a les choses on peut pas expliquer. Mais vous trouvez pas que votre génération là, vous êtes tous les patrons de moi qui ai fait ça. Vous savez ce que les gens ont fait sur la terre ici. Est-ce que si on va commencer à dire ce qu'on a fait là, on va pas quitter ici. Est-ce que tout mais moi je parle. Moi je ne parlais pas. Votre nouvelle génération vous parlez de moi. Mais c'est dit attends c'est il vient dire que non, ils ont fait ça. Alors que pourquoi pas quand le petit est au village, pourquoi ils ne vont pas les prendre? Oui, mais il le connaissait pas. Je lui pose question. Pourquoi pas quand j'étais au village, pourquoi vous ne pas aller prendre? Mais il le connaissait pas. Ah, il ne le connaissait pas. Donc, je vais passer par toi pour Et puis, il attend que Dieu n'a qu'à laver quelqu'un et ils vont venir prendre son quoi. Mais c'est l'homme qui fait l'homme, c'est la vie. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. C'est ça, Aziz, t'as resté peut-être de faire le bien. Ça veut dire que moi j'ai resté ma poto. Ça veut dire que c'est qui est bon. Non. Manager. Non, c'est vrai que tu as l'intelligence. Arrête-moi ça. Dans le village, hein. Mais aujourd'hui, là, si tu es assis ici, là, c'est grâce à congélateur. Voilà. Et c'est grâce à congélateur que Aziz Karoncet t'a vu et puis te fait du bien. Aussi, si on voit le congélateur aussi, là, aujourd'hui. Il est en train de passer dans le truc là. Ça coûte des services. Donc c'est vous de grâce à vous. C'est vous qui c'est là. Bon, quand est-ce que vous allez vous réconcilier? Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Franchement. Parce que les gens ont décidé de nous réconcilier plusieurs fois. Mais c'est Boeing qui sont derrière lui là. C'est qui? Quand tu parles de Boeing là, tu parles de qui? Mais je ne vois pas ceux qui sont derrière lui. Je ne sais pas qui c'est. Faut dire leur nom. Le soi-disant, le manager, je ne sais pas c'est quoi. Le manager, eux. Et ils sont un coup quand pouf, ils deviennent manager. C'est payé ton jeté, ça te fait mal? Non, mais ça me fait pas mal. D'abord, mais ça me fait très plaisir même. Ah, donc toi, ça me fait plaisir. Débarrasser de lui? Non, pas débarrasser de lui, mais ça me fait très plaisir parce que j'étais dans on peut dire j'étais dans un coin, je ne sais pas comment j'ai... Dans l'obscurité? Non, c'est pas du tout, mais... C'est pas beaucoup de... On explique pas pour tout. Il y a le truc qu'on peut pas dire. Mais j'étais, moi, il y a un truc... Mais manager, j'étais quelqu'un... Il souffrait tellement... Bon, manager. La photo sur les réseaux sociaux où tu étais à genoux devant le congélateur et les Tesco... On dit c'est toi qui a fait ça. Qui a posté la photo? C'est eux qui ont posté la photo. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. On dit c'est toi. On dit c'est moi qui ai posté la photo. On dit c'est ton boy à toi. Quel boy? C'est eux qui nous ont posté la photo. C'est quelqu'un de ton groupe qui a fait la photo. La vidéo qui passait sur la télé là. C'est eux qui ont envoyé... En fait, les gars, ils voulaient me détruire tellement. Il devrait mettre tout le dédit sur moi. Il devrait mettre tellement de. Donc, sinon, où le monsieur a baissé? Le gars était autour de moi. Il demandé pardon à l'homme. J'étais autour de eux. Il était encadré même. Il était encadré de eux. Il y a des choses même là. Ce Tchèque là m'a dit, il m'a parlé beaucoup de choses. Ce jour, il a insulté ma maman. Il a insulté mon papa. Il m'a dit que non, que si moi, il n'a pas fait revue, qu'il va me tuer. Il a dit ça. C'est eux qui ont posté la photo. C'est eux qui ont posté la photo. Il a dit, Tchèque a dit. Quand il était au-dessus de lui là, il a dit qu'il allait me tuer, que moi je suis méchant, je suis coin. Lui il sait comment je travaille avec congélateur. Mais cette débat là, on arrête là et il laisse Dieu. Il laisse Dieu faire le travail. Et puis, mon Dieu faire mon travail. Mais je ris parce que je confiance à mon Dieu. Et je sais mais ce que Dieu va. Tu as un côté un peu. Un peu. Oui, je parle avec de Dieu. Il est un petit côté de charognard, tu vois, Jean. Oui. Tu lui as fait du mal, mais il t'attend au tournant. Il sait. Non, il t'attend au tournant. Moi, je conçois Dieu. C'est dangereux, hein. Wow. Wow, malheur. Wow. Oh, Klunga, il dit ça.
En fait, quand je parle avec Dieu, je suis tellement content parce que Dieu m'a béni. Il dit, je laisse pour moi à Dieu. Je laisse pour moi à Dieu. Et tu fais un beaucoup, fais un petit lit. Alors, Edouard, est-ce que tu, quel est le message que tu veux porter à Manager et à DJ Congélateur? Et surtout à Thiers. Bon, moi, ce que je veux dire à le petit DJ Congélateur. C'est pas le petit, c'est ton collègue. DJ Arrête Congélateur. Voilà, c'est ton collègue. J'ai dit à DJ Congélateur. Je lui souhaite bonne vent. Je lui souhaite bonne carrière aussi. Et surtout, toutes ces personnes qui sont autour de lui là, ils n'ont qu'à se rappeler bien. C'est-à-dire? Ils n'ont qu'à le prendre bien. La moyenne, moi, je les prenais. Ah, toi, tu le prenais bien. Je le prenais bien. C'est pas ce que le congélateur disait. Ah, mais il dit que tu l'as jamais bien pris. Non seulement tu bouffais son argent, tu volais ses cachets et puis a dit un point. Il a dit. Hein. Autrement, on lui avait dit. Oh. On peut finir avant les gens comme ça. Autrement, on lui avait dit. Tu finis d'un malais. Je suis là. C'est le mot que je veux dire. Je suis là. Je suis là aujourd'hui, tu respectes. Où maman on lui avait dit Chola, pourquoi tu fais ça? Alors, dames et messieurs, dans l'émission, on va tirer à sa fin parce que sinon on va pas s'arrêter. Mais est-ce que je peux saluer, je peux saluer les gens un peu? Oui, vas-y. Mais faut pas dire que j'ai oublié les noms. Je dis merci beaucoup. Salut papa, je salue Charlie Pac qui est depuis Paris. Je salue aussi papa Unique. Et je dis merci beaucoup à papa Azit 47, papa. Je dis merci aussi papa Kérosène. Et je fais grand coucou à mon père. Mon père adoré, le père Mola. Papa, que Mola Dieu te bénisse. Mon père adoré, des. Et je tiens encore. Moi, mon fils avait fallu là. On ne croyait pas. Vous allez comprendre. Papa, pourquoi il a dit qu'il fallait accepter? Bon, manager confirmé, il va faire fuiter. On espère que Fali accepte. Donc, et puis on espère qu'il y a pas un Fali. Ou ton dealer qui va sortir là-bas, hein? Faut pas. Ça va être terminé. Big up à tous ceux qui suivent le Fafa, merci ceux beaucoup, qui partagent. Mais... on est ensemble. Big up à Kangala le Berger. Big up à Ange le Cultivateur. N'oubliez pas, le restaurant S-Club est ouvert à 7e tranche. Angré Cocody, non loin de la station Shell, à côté de Top Auto. Nous sommes là, les mets sont succulents, les repas sont authentiques avec un goût, mais vraiment qui vient de très loin. Le S-Club Restaurant vous accueille, n'oubliez pas, toujours passez là-bas. À tous les S-Clubiens, on est ensemble. Sans oublier Franck Mian, le jeune industriel. Big up à toi, big up à Yacine Mian, big up à toute la famille Mian, on est ensemble. Alors, big up aussi à mon ami K, la boutique de vêtements de luxe certifiée du côté de la 8e tranche. On est ensemble là-bas, c'est le rendez-vous des vrais accessoires. Mon frère Penadi DJ, on est ensemble. Force à toi. Merci beaucoup à vous. C'était chaud ici en studio. Oui, nous avons reçu manager confirmé, l'ex-manager de DJ Congélateur. En tout cas, nous, on a pris un réel plaisir à vous entretenir. On se dit à la semaine prochaine. Je fais un gros big up, un gros coucou à ma belle et grande commune de Diabo. Merci à William Santiago, Soko et Stéphanaka. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, merci à Diva Glam Collection pour les vêtements. On se dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On revient avec beaucoup plus de papos à casser. Bisous, bisous.